Hey, salut à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Encore achat, vous allez dire putain, il me casse les couilles avec ces achats. Mais écoutez, ça me permet d'avoir un peu de temps pour préparer mes futures vidéos que j'ai pas du tout préparées. Mais ça arrive, bien évidemment. Je prends mon temps et voilà, j'espère quand même que ça va vous plaire. Cette fois-ci, c'est une spéciale Nose et Cash. On va pas rester 10 piges sur le sujet, je vais commencer directement. Par nos, j'ai pris 2-3 petites pépites assez sympas. Il y avait des trucs assez bons pour le coup, donc c'est cool. J'étais extrêmement content de trouver le film Loving de Jeff Nichols, un réalisateur que j'adule, que j'adore énormément. Voilà, un des plus grands pour moi. Donc j'étais très content. En plus, il était caché sur un côté des fagots. Je me suis dit, putain, oh, lui, je le repère et je le prends direct, quoi. J'étais extrêmement content de le trouver. Ça, c'est une pépite. Si ça, vous le trouvez dans votre nose, prenez-le. C'est un incroyable comme film. Voilà. Et de toute façon, tout ce qui est de Jeff Nichols, allez voir ma vidéo. Voilà. Il a fait que des films de ouf. C'est un réalisateur vraiment sous-coté, on peut le dire. Call Me By Your Name, celui-là, je ne l'ai pas vu. C'est avec Chalamet. Donc, on m'en a dit que du bien. Donc, je me dis pourquoi pas l'essayer. Je pense que c'est un film qui va pouvoir un peu me parler, je pense. Donc, apparemment, il y a un côté très. Période estivale et tout, machin. Voilà. Il y a une relation vraiment fusionnelle. Voilà, pourquoi pas l'essayer et je vous en dirai un petit peu plus. Pourquoi pas faire une critique si c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Donc, à voir. La saison 2 de Preacher, donc c'était vraiment pas cher. On était sur du 2-3 euros. J'ai pas vu la saison 1. Je l'ai même pas trouvé d'ailleurs en Blu-ray. Mais bon, je me suis dit pourquoi pas. Apparemment, ça reste quand même une bonne série. Donc, pourquoi pas l'essayer. Je regarderai d'abord la saison 1. Voilà, et après, au fur et à mesure, je me donnerai un peu mon propre avis sur ça. Mais au vu du prix, je me suis dit pourquoi pas l'essayer. Et c'est assez cool parce qu'ils ont mis les Forrest Gump en pop. Donc là, je suis assez content. Je vois qu'il y a deux éditions et la deuxième est ici. Donc 6,90 € la pop. Je trouve ça hyper original de trouver les Forrest Gump à Noz. Donc ça fait vraiment plaisir de pouvoir les rentrer, ceux-là. Des petites pépites. Voilà, c'est toujours cool. Et je suis en train de me dire que j'ai même pas le Blu-ray. Donc il faudra peut-être que je me le chope. Pourquoi pas prendre une belle édition d'ailleurs. Et pour finir avec Nose, bah la fameuse Jessie, j'étais très content, je l'avais vu popper un peu dans plusieurs photos de Nose, et j'étais content que c'était dans mon Nose, je crois qu'il n'y en avait pas beaucoup, une ou deux, hein, vraiment, donc voilà, ça fait plaisir, ça rentre dans la collection Pop Toy Story, et comme vous le savez, Toy Story, c'est une saga que j'aime vraiment beaucoup, et en plus j'ai une assez grosse collection pour le moment, donc voilà, j'en suis assez content. Ce coup-ci, on va partir sur du cash maintenant. Des pépites et d'autres trucs que je vais essayer justement. Voilà, parce qu'on me les a conseillés et tout. Voilà, j'étais avec mon pote Anto. Donc voilà, il me dit ouais, ça pourquoi pas l'essayer. Ça, tu vas peut-être aimer et tout machin. Et des trucs voilà, que j'ai vu comme Des Hommes sans loi. Voilà, donc ça, je sais que c'est avec Tom Hardy. Il y a Jessica Chastain et. À chaque fois j'oublie, Shia LaBeouf, voilà, à chaque fois j'oublie son nom. Donc très 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 gros casting et surtout très bon film. Donc je conseille vraiment vraiment celui-là. D'ailleurs ça me donne envie de le revoir. Je pense que je vais le revoir bientôt parce que c'est un très grand film. Le film Dope, donc je pense qu'on va être sur un film un peu cool, feel good et tout. Donc je me dis pourquoi pas, ça fait longtemps que je vois cette affiche popée et tout. Et voilà, et je ne l'ai pas encore regardé. Donc voilà, je pense que je prends pas trop de risques en prenant ce film-là. Je pense que ça va être ma came. The Island, donc pourquoi pas. L'essayer celui-là, on m'en a dit du bien aussi. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas? Evan McGregor, Scarlett Johansson. Là, au vu de l'affiche, effectivement, ça a l'air d'être un peu bim bam boum. C'est Michael Bay qui le fait, donc forcément, voilà, on est sur des explosions un peu partout. Mais je dis, oui, pourquoi pas l'essayer? Ça a l'air d'être un film plutôt sympa. Le Stratège avec Brad Pitt, celui-là, je l'avais vu sur Netflix et gros coup de cœur, franchement, sur ce film-là. J'aime beaucoup l'histoire qui est développée dedans. Voilà, tout vraiment, il y a un bon duo d'acteurs. Voilà, j'aime beaucoup vraiment cette histoire, elle est vraiment très bonne, ça me donne envie d'ailleurs de le remater ça au plus vite, voilà. Je conseille ce film-là, Le Stratège, allez voir sur Netflix si voilà, vous n'avez pas le Blu-ray, voilà, vous avez la flemme d'aller le choper, Netflix il y est et c'est du très bon. Life, voilà, avec le Robert Pattinson, le grand Robert Pattinson, donc je commence à regarder toute sa filmo, j'ai vu quasi tous ses films importants, on va dire, et celui-là apparemment on me l'a conseillé dans le sens où c'est un très bon film de Robert Pattinson. Voilà, je suis content au fur et à mesure, voilà, j'aurais tout vu de Robert Pattinson. C'est un très bon acteur, l'acteur de notre décennie, un des acteurs en tout cas de notre décennie. Grosse validation sur ce personnage. Et pour terminer, Ennemi d'État, voilà, ça c'est un film de mon enfance avec Will Smith. J'aime beaucoup.
Voilà, j'aime beaucoup ce film-là, je ne saurais pas pourquoi, voilà. Je sais qu'il a des défauts, effectivement, il y a des défauts et tout sur ce film-là, mais je sais pas, il y a un rythme constant, une tension constante dans ce film-là, qui fait que j'en apprécie vraiment la saveur et j'adore vraiment regarder ce film-là régulièrement. Donc voilà, je n'ai pas d'autres trucs, je sais qu'il est imparfait, mais pour moi, il me plaît beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Ça a été assez court, voilà, un peu dans un podcast. J'essaie de prendre, comme vous voyez, de la quali. On est sur de la quali. La semaine prochaine, grosse vidéo, justement. Bah, moi que je vais tourner là maintenant, mais vous allez la voir la semaine prochaine. Ça va être justement sur un gros achat Blue Cat que j'ai fait. Il y avait une offre assez alléchante, voilà, avec. Je crois que c'était deux achetés, troisième offert, quelque chose comme ça. Et je crois que chaque Blu-ray était à 5,90€, la plupart en tout cas, à part les grosses éditions. Voilà, et j'espère que ça vous plaira et que vous regarderez cet épisode-là. Et on se dit à très bientôt pour de prochains épisodes. Ciao!